Donc aujourd'hui, on va vous faire un talk sur Angular 2. On ne fera pas forcément une présentation générale. On va essayer de vous montrer un petit peu ce qu'il y a sous le capot et de vous montrer que voilà, même la stack JavaScript, il y a plein de choses intéressantes qui se passent dessus et on parlera beaucoup de performance. Alors moi, je m'appelle Agnès Crépet. J'ai cofondé une boîte qui s'appelle Ninja Squad avec Cédric et Cyril qui est ici. Je fais deux, trois trucs aussi dans une école qui s'appelle l'école des mines. Quelques cours de web, tout ça. Et puis je fais partie également de Duchesse France, c'est une asso qui travaille pour la visibilité des femmes à profil technique dans l'informatique. Et donc moi c'est Cédric, bonsoir à tous. Je suis donc cofondateur aussi de Ninja Squad, je suis développeur. Je viens du monde Java à la base, plutôt côté back-end, et puis maintenant je fais pas mal de JavaScript, quasiment que ça même. Et donc voilà, on est tous les deux membres de Ninja Squad. Le truc le plus sympa dans la boîte, c'est probablement le logo. Et les poneys. Et on fait des poneys tout le temps. Donc Ninja Squad, juste en deux mots, c'est une boîte qu'on a montée sur inspiration coopérative. Voilà, un homme ou une femme, une voix, etc. Et on se laisse du temps, au moins un jour par semaine, pour pouvoir faire de la veille, des choses qui nous plaisent, des projets associatifs. La comptabilité, tout ça. La compta. Et notamment, on s'implique dans une conférence, donc Cédric et moi, on l'a cofondée, il y a maintenant 7 ans. 7 ans. Donc Mixit, c'est une conférence qui a lieu une fois par an à Lyon. L'objectif de cette conf, à la base, c'était de mixer des profils non-tech, des gens qui font de l'agilité, Club Agile Rhône-Alpes, avec notre meet-up dont on s'occupait tous les deux, qui s'appelle le Lyon Java User Group. Et voilà, notre objectif, c'était de mixer un peu les gens. C'est pour ça qu'il y avait le mot Mixit. Et on a une autre volonté également, c'est de mixer des gens différents. Donc qu'il y ait plus de filles, qu'il y ait plus de gens de cultures différentes qui soient représentés. Ce qui n'est pas forcément simple. Et il y a des crêpes à volonté. Ça, c'est cool. Ça sera le 20 et le 21 avril 2017, la prochaine édition. Ouais. Et pour les étudiants qui sont là, sachez que vous pouvez venir gratos en étant bénévole dans la structure et voir plein de confs super sympas. On va donc parler un peu d'Angular ce soir. Je vais dire Angular d'ailleurs dans la soirée parce qu'on ne dit plus Angular 2, je ne sais pas si vous avez suivi, puisqu'en fait, en début d'année prochaine, il va y avoir la nouvelle version qui sort qui s'appelle Angular 4. C'est pas une blague, c'est vraiment ce qui va se passer. En fait, du coup, ils ont adopté ce qu'ils appellent le semantic versioning. Je sais pas si. Qui c'est qui fait du JavaScript en fait dans la salle? Je commence par un point. Qui c'est qui fait plutôt de l'Angular 1? On sait, est-ce qu'il y en a qui font? Il y en a qui font du React? Pas beaucoup. Okay. Quelqu'un qui fait de l'Angular 2 qui a déjà essayé un petit peu? Okay. Qui est payé pour en faire quelque part? Pas mal quand même. Ok. Donc on va parler un peu d'Angular, et comme je disais, il y a la version Angular 4 qui va sortir. Parce qu'en fait ils ont décidé de faire une version majeure, du coup, enfin deux versions majeures par an. Ils vont sauter la version 3 pour une raison purement technique, que je vous expliquerai peut-être à la fin si on a le temps. Donc la prochaine version, ça sera en mars, ça sera Angular 4, et puis en septembre, il y aura Angular 5. Mais il faut pas avoir peur, parce que c'est pas des versions majeures comme entre Angular 1 et Angular 2 qui ont beaucoup changé. Angular 1, c'était un projet complètement à part d'Angular 2, il n'y a absolument aucun code commun entre les deux. Tandis que Angular 4, 5, 6, etc., ça va être juste Angular 2 qui continue d'évoluer et qui aura un nouveau numéro de version quand ils feront des changements importants. Donc on va parler d'Angular, tout court. Pourquoi on se retrouve à parler d'Angular ici? Angular, ça a été annoncé il y a pas mal de temps, en mars 2014. Et c'est sorti seulement en septembre 2016. Donc c'est pas très vieux en fait, ça fait pas beaucoup de temps que c'est vraiment sorti en version stack. Faut savoir que nous on s'intéressait à Angular depuis pas mal de temps. Genre sur Angular 1 on va en faire depuis 4-5 ans, quelque chose comme ça. On en a fait pour pas mal de clients. Je donne pas mal de formations pour notre boîte. Et je donnais donc la formation Angular 1 et j'avais fait un support de formation qu'on donnait à nos stagiaires un peu conséquent. Et mes collègues m'ont dit, avec le travail que tu as fait là-dedans, ça serait trop dommage de ne pas le sortir comme bouquin. Donc on s'est dit, on allait en faire un petit e-book et on l'a sorti. On ne voulait pas spécialement faire de l'argent dessus, donc en fait on l'a mis à prix libre. Les gens donnaient ce qu'ils voulaient et puis ils pouvaient donner une partie au bénéfice d'une association. Et l'association qu'on avait choisie pour le premier bouquin, c'était Docteur Souris, qui était une association qui aide les enfants qui sont à l'hôpital pour leur donner l'accès à des ordinateurs pour qu'ils puissent faire leurs devoirs, etc. Je pensais honnêtement qu'on allait en vendre 50 une fois que ma mère et mes amis en auraient acheté. Mon père et ses potes.
Ma mère n'a pas acheté. Donc là, non plus. Et au final, on a quand même, là, on en est à quelque chose comme 1500, je crois, pour un e-book en français qu'on édite nous-mêmes, qu'on publie nous-mêmes que sur notre site, on était relativement contents. Qu'on écrit grâce à Skidoc, une transition magnifique pour Hubert tout à l'heure. Et donc, on était relativement contents. Bref, du coup, Angular, on aime bien tout ça. Angular 2 est annoncé. Moi, j'ai un peu de temps libre sur NinjaSpot pour faire ce que je veux. Ce qui fait que je commence à relire tous les commits qu'ils font depuis le tout premier commit qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils écrivent en fait Angular. C'est Google qui fait ça. Ils le font sur un repository GitHub ouvert. Donc, depuis le début, chaque jour, je relis les 10, 15, 20 commits qu'ils ont fait dans la nuit pour nous. Pour voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. T'écoutes leur podcast ou... J'écoute, ouais. J'ai pas mal de temps pour le faire parce qu'en plus à l'époque je pars avec ma petite amie faire un tour du monde pendant 6 mois tranquille. Donc du coup je continue un petit peu à bosser pour la boîte en suivant l'évolution d'Angular. Et en début d'année du coup on a sorti un bouquin, un deuxième bouquin, Deviens un ninja avec Angular 2. Même principe, il est à prix libre et cette fois-ci on a choisi comme association l'EFF pour soutenir leur action. Donc vous pouvez donner ce que vous voulez si ça vous intéresse. Et accessoirement, du coup, on s'est dit qu'on allait faire une version pro, c'est-à-dire tout un ensemble d'exercices pour construire une application étape par étape. Et l'application qu'on construit, c'est une application qui fait, où on parie sur des courses de poneys, d'où les poneys que vous verrez à plusieurs reprises dans la présentation. Donc voilà, ce pack pro, il est aussi disponible sur notre site. Et on va vous prendre un petit exemple pratique de ce pack pro, et on va essayer de vous montrer un petit peu comment fonctionne Angular. Comment ça diffère par rapport à Angular 1, pourquoi ils l'ont complètement réécrit. Et ensuite, à la fin, on parlera un petit peu performance, optimisation, tout ça. C'est un peu un talk de culture générale JS plus que vraiment focalisé sur Angular 2. Et Agnès va d'abord commencer par vous expliquer un petit peu, elle va nous faire une petite introduction sur présenter une application Angular 2. Tout à fait. Ensuite, on parlera de tout ça. Ouais. Alors, donc en 10 minutes, montre en main, je vais essayer de parler, de vous introduire Angular 2. Donc Angular 2, ça vous permet de faire des applications single patch, tout simplement, avec plusieurs types de langage. Donc soit ECMAScript 5, c'est sûrement la version de JavaScript que vous devez utiliser. Elle est bien, pourquoi pas, mais on ne vous conseille pas de faire ça. Les personnes qui ont développé le framework Angular 2, vraiment, ils ont fait en sorte de pouvoir bénéficier de tout ce qu'apporte la nouvelle spécification ECMAScript 6, donc la version de JavaScript, avec notamment la notion de module, de classe. On peut enfin faire des classes en JavaScript. La nature dynamiquement typée du langage, elle est cool, sauf que bah voilà, ça peut être bien aussi de disposer de classes. On reviendra avec TypeScript sur les types là-dessus. On peut également faire des promesses, des arrow functions. Tout ça, ça nous simplifie plein de choses au niveau de l'écriture, notamment des callbacks. On peut avoir des blob scope variables, des variables de type blob scope, donc ça vous évite le hosting JavaScript, donc avec le mot-clé let. Et on peut avoir également des vraies collections, set et map. Donc vraiment, ce qu'on peut vous dire dans le cas d'Angular 2, c'est de bénéficier de tout ce qu'on peut faire avec ECMAScript 6. Et il n'y a pas que ECMAScript 6, il y a également la possibilité d'utiliser TypeScript. Alors qui c'est qui fait du TypeScript? Qui en a entendu parler dans la salle. Okay. Donc TypeScript, c'est un langage qui est sorti par Microsoft. Donc Microsoft, on voit qu'il change un peu quand même ces dernières années. Tu veux que je parle plus fort, c'est ça? T'as les places devant ça. Donc TypeScript, c'est un langage qui est sorti il y a quelques années par Microsoft, qui est assez récent. Et c'est un mec qui s'appelle, alors j'écorche toujours son nom, mais Andreas Herzberg. Et ce mec-là, il a un peu plus de 50 ans et il a plusieurs choses à son actif. Il a été lead dev de Turbo Pascal, de Delphi. Il a créé le framework .NET et le langage C#. Donc a priori, c'est un mec qui connaît deux, trois trucs, quoi. Et aujourd'hui, donc, il est derrière TypeScript. Derrière TypeScript, il y a le fait d'avoir des types. Et c'est ce que j'ai tout à l'heure sur JavaScript. C'est cool d'avoir un langage de même identité, mais c'est aussi bien d'avoir des types. Pourquoi c'est bien d'avoir des types? Parce qu'on peut faire de l'analyse statique de code via votre IDE, on peut faire de l'autocomplétion. On peut faire plein de choses qui vont vous simplifier quand même l'écriture de votre code. J'ai créé des dépendances, tout ça, je ne rentre pas dans les détails. Et avec TypeScript 1.5,
on a l'arrivée des décorateurs. Les décorateurs, on y reviendra dans les exemples de code qu'on montrera juste après. Mais c'est le même principe que les annotations en Java, Python, etc. Et ça vous permet d'avoir des métadonnées sur votre code. Et ça, donc ECMAScript 6 lié à TypeScript, on verra là, ce que ça peut nous apporter dans Angular 2. On peut également faire du Dart avec Angular 2. Quelqu'un fait du Dart ? Est-ce que quelqu'un a entendu parler de Dart ? Ok, donc Dart, c'est un langage qui est proposé par Google. Ils ont un gros projet, Dart Angular 2, qui est quand même le projet AdWords. Et bon, voilà, a priori ça marche. Mais on va pas en parler ce soir parce que je pense que tout le monde s'en fout. Il n'y a pas grand monde qui fait du Dart en dehors de chez Google. Ouais, à une époque, ça pouvait aller 2-3 ans différents. Aujourd'hui, je pense pas que ce soit vraiment intéressant d'en parler. Alors, derrière l'approche d'Angular 2, il y a le fait de dire que tout est composant. Alors, c'était déjà un peu le cas dans Angular 1, mais vous n'étiez pas forcément obligé d'écrire des composants, cette fameuse directive, pour ceux qui connaissent. Là, vraiment, aujourd'hui, vous avez une orientation composant de votre application. Donc, votre application, ce n'est plus un bloc unique, un gros template. C'est plutôt plein de petits templates qui correspondent à des composants. Et quand vous commencez à coder votre application, vous devez vous interroger sur de quoi elle est composée. Je vais avoir un composant menu, un composant footer, un composant plutôt métier, si on fait des poneys qui courent. Enfin, il y aura des composants courts de poneys, composants poneys, etc. Et tout ça, c'est très inspiré des Web Components, donc il y a une spécification en cours de normalisation auprès du W3C, qui n'est pas encore tout à fait respectée, implémentée par tous les navigateurs, mais en tout cas, c'est vraiment la même orientation. Et les Web Components, ça existe déjà, donc il y a quand même une pléthore de composants qui sont déjà disponibles sur le site customelements.io depuis 2006, si mes souvenirs sont bons. Et l'objectif, ça remplit un petit peu notre doux rêve de développeur de pouvoir réutiliser des composants sur étagère et pouvoir les réimplémenter dans votre application. On a Google, forcément, a plein d'exemples de composants réutilisables, des composants Google Maps, etc. Vous pouvez facilement intégrer dans vos applications. Et le jour où l'aspect Web Component sera un peu plus implémenté dans le navigateur, ce sera encore plus cool. Mais en tout cas, derrière la volonté, derrière la logique de les notions de Web Components, on retrouve le fait d'avoir toujours un template pour écrire votre vue, votre page, et une logique métier. Et Angular respecte ça. Donc en gros, quand vous écrivez des composants Angular, vous devez commencer par écrire votre template et après vous continuez. Si on reprend l'exemple de notre super appli, on va voir un petit peu comment votre application elle peut être organisée dans un arbre de composants. Donc, en fait, tout ce qu'on voit ici suppose un composant derrière. Donc, comme je le disais juste avant, on va avoir un composant course de poney, on va avoir un composant poney, on va pouvoir gérer des événements sur chacun de nos composants. Quand on clique sur un poney, on va lui permettre d'aller plus vite. Il y a une forme qui change, une vue qui change, il va avoir un comportement différent qu'on va pouvoir gérer. Et donc, toute votre application, elle est vue comme un arbre de composants, un composant principal, qui est l'application elle-même, comme on a le sort, et qui s'applique sur plein de petits composants, notamment un composant course qui lui-même va s'appuyer sur plusieurs composants connectés. Et depuis peu, dans les dernières versions d'Angular 2, la notion module est arrivée, en tout cas ils l'ont refaite plusieurs fois pour ça, et on peut même essayer d'organiser les composants de son application en différents modules, soit d'un point de vue fonctionnel ou d'un point de vue technique. En tout cas, vous avez aussi la possibilité de regrouper vos composants dans des sacs qui vont bien ensemble. Quoi. Donc typiquement, vous avez un composant applicatif global, et puis vous pouvez imaginer un module d'admin où vous regroupez vos composants qui sont en lien avec votre logique d'administration. Donc, vous avez un back-office ou autre chose. Comment est gérée la communication entre les composants du parent aux enfants, on peut... ils peuvent partager des données, ça c'est quelque chose qui change. On est dans un seul sens. Pour ceux qui ont fait déjà de l'Angular 1, on avait un scope qui était partagé, et du coup on verra, c'est vrai que vous en parlerez tout à l'heure, mais le fait d'avoir une logique un peu différente aujourd'hui, ça va nous permettre d'être un peu plus performants, notamment sur le cycle de détection de changement, je vous en parlerai tout à l'heure.
Et quand les enfants veulent communiquer aux parents, on passe par les événements. D'accord? Donc si on continue et qu'on regarde un peu la tête de notre premier composant, donc là on a notre composant phony component qui est décoré voilà, par un élément du framework core d'Angular, @component. Et dans le décorateur, si jamais on avance sur le slide suivant. Ça c'est du TypeScript, si vous avez vu. Ouais, exactement. Et donc dans ce décorateur, donc grâce au, on peut déclarer. Et dans ce décorateur TypeScript, on peut indiquer le sélecteur qu'on va pouvoir retrouver dans le template derrière, donc le balise qui va pouvoir indiquer le fait que vous voulez afficher un poney, et on va pouvoir avoir également mentionné l'URL du poney. Si on continue, là vous avez un exemple de template, où vous affichez le nom de la course et le poney. Donc là c'est assez simple, vous avez donc le sélecteur qu'on a vu tout à l'heure qui est retrouvé ici. Là, on voit ce qu'on appelle de l'interpolation, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a entre moustaches, là, ça fait qu'on est en lien direct avec le composant sous-jacent Brace, et dès que vous allez vous voir, enfin, on y reviendra tout à l'heure, mais dès qu'on changera le composant, automatiquement, en fait, grâce à l'interpolation, votre template, votre vue changera. Si on continue dans les exemples, donc vu qu'on est dans une classe poney, on peut rajouter plein de choses, on peut rajouter des objets un peu plus complexes, donc là, on rajoute un objet poney qui va avoir un nom et une couleur, donc pour ceux qui sont fans d'Object Horseman, ça vous parlera. Donc là, il a son nom qui est secrétariat et sa couleur qui est bleue. Et vu qu'on est dans un objet, on va pouvoir rajouter également une méthode getPonyImage qui va retourner une GIF. Et vous remarquez que voilà, la puissance aussi de faire des petites petites classes, vous pouvez directement mentionner l'instance en cours par l'objet list. Donc votre code est quand même assez lisible et pas très compliqué. Et donc là, au niveau de votre template, si on revient sur la puissance de l'écriture des templates, dans un premier temps, vous voulez afficher le nom de votre poney, donc on utilise comme tout à l'heure, on vient de voir l'interpolation, et vous allez vouloir afficher maintenant l'image sous-jacente à votre poney. Vous mentionnez tout simplement la méthode qu'on vient de voir tout de suite avant du composant, et ça marche tout seul. Donc notre poney, il est beau, il court. Et puis on va se dire, bah ouais, mais maintenant qu'on a un poney, ce qui est cool, c'est qu'on aimerait lui donner un petit comportement, le faire changer de couleur par exemple. Et il suffit de reprendre votre composant, dans le constructeur, de rajouter un setTimeout, et automatiquement, la couleur de votre poney, au bout de 3 secondes, elle va changer. Et elle va devenir orange. Voilà. Donc tout ça, c'est simplement pour vous introduire rapidement la logique du framework Angular, le fait que ça peut paraître un peu magique, mais en fait ça n'est pas tant que ça, parce que maintenant Cédric va vous expliquer ce qu'il y a derrière cette magie. En fait, ce qui est un peu magique, c'est que juste le fait de mettre à jour dans votre code une valeur du poney là, qu'on est en train d'afficher, Angular va détecter automatiquement ce changement et va le refléter automatiquement dans le navigateur. Il n'y a jamais besoin de dire à Angular, tiens, j'ai changé des données, vas-y, rafraîchis-toi. Et ce mécanisme-là, il est un peu étrange. Qu'on n'a pas l'habitude, c'est ce qu'on appelle de la change detection. La change detection, en fait, ça commence tout le temps par un changement et de parole. Et c'est en plusieurs étapes, en fait. Donc, ce changement qui peut survenir, ça peut être soit une interaction utilisateur, soit tu as du code asynchrone qui s'est terminé avec un set timeout, soit par exemple tu as une requête HTTP qui vient de se terminer, et donc tu as récupéré des résultats, tu veux en faire quelque chose. Dans notre exemple, là, par exemple, c'est un set timeout. Avec ce changement, il va y avoir une mise à jour de l'état de l'application. Donc là, nous, en l'occurrence, c'était mettre à jour la couleur du poney pour la passer orange. Derrière, Angular va faire sa magie et détecter qu'il y a un changement. Quand il a trouvé quels sont les changements dans l'état de ton application, il va mettre à jour le DOM de ton application. Donc le DOM, c'est le Document Object Model, c'est ce qui représente en fait le HTML qui est dans ton navigateur. Donc Angular, quand il détecte un changement, il va mettre à jour la portion qui va bien dans l'application. En l'occurrence, nous, c'était qu'on avait la source qui était liée à une méthode qui s'appelle getPonyImage, qui calculait quelle était l'image affichée en fonction de la couleur du poney. Donc comme la couleur a changé, Angular va mettre à jour la propriété source de l'image, et c'est ce qui fait que le GIF change de couleur au bout de 3 secondes. Et donc l'image correcte apparaît. Donc cette magie, en fait, cette change detection, elle est divisée en deux sous-parties. Il y a quand est-ce qu'il faut faire cette détection, quand est-ce que le framework décide de vérifier si l'application a changé, et comment il fait pour savoir si l'application a changé. Du coup, je vais faire un petit,
Retour en arrière pour vous expliquer comment ça marchait dans Angular 1, dans les grandes lignes. Et ensuite, on verra comment ça marche dans Angular 2. Et ça vous donnera déjà une première piste de pourquoi ils ont complètement réécrit Angular 1. Donc en Angular 1, pour savoir quand est-ce qu'il fallait faire la détection de changement, c'était qu'en fait, on utilisait tout le temps ce qui était fourni par le framework pour faire des actions asynchrones. Par exemple, si vous vouliez faire une requête HTTP, il fallait utiliser quelque chose qui était fourni par Angular, qui était un service spécial qui s'appelait $HTTP. Si tu voulais faire une action asynchrone avec un timeout, tu ne pouvais pas faire un set timeout du navigateur, tu étais obligé d'utiliser le service qui était fourni par Angular, qui s'appelait $Timeout. Et si jamais tu sortais du moule du navigateur, du moule du framework, pardon, d'Angular, quand tu faisais une mise à jour de ton domaine métier, il fallait du coup que tu préviennes Angular que tu avais fait un changement pour qu'il puisse rafraîchir ce qui était à l'écran. Et donc pour faire ça, tu avais une méthode qui s'appelait $scope pour un $reply. J'ai vu quelques-uns qui souriaient quand c'est apparu, donc il y en a qui l'ont déjà utilisé. Il y en a qui l'ont déjà utilisé, hein, ça. Ok. Donc vous voyez ce que je veux dire, pour ceux qui en ont déjà fait un peu. Donc en fait, soit tu restais bien dans le moule du framework, et tu ne pouvais pas utiliser les API natives du navigateur, tu étais obligé d'utiliser des choses Angular qui wrappaient ces API. Soit si tu sortais du moule, tu étais obligé de faire un point apply là, pour lui dire « Hey, coucou, il y a des changements qui viennent de survenir, rafraîchis ce qui est affiché. » Donc ça, c'était la partie « quand ». Ensuite, il y a la partie « comment ». Comment fait Angular pour savoir s'il y a des choses qui ont changé dans l'application ? En fait, il fait ce qu'on appelle un « digest », qui est représenté sous une forme de boucle comme ça, parce que c'est quelque chose qu'il va faire de façon... Ils veulent faire ça de façon répétée à chaque fois qu'il y a un changement. Je m'explique. En fait, tout ce qui est affiché dans l'application, dès que vous mettiez des moustaches, là, des interpolations en Angular 1, tout ça, ça crée ce qu'on appelle des watchers en Angular, c'est-à-dire qu'il allait surveiller la valeur de cette expression-là. Donc, par exemple, si tu avais un endroit qui affichait user.password ou un champ strength ou un attribut secure comme ça, il allait surveiller la valeur de ces attributs-là. Et quand la partie qui lui disait « tiens, il y a un changement », Angular du coup lançait ce qu'on appelle son digest, il allait évaluer chacune de ces expressions en fonction du contexte à ce moment-là de l'application et regarder les valeurs qu'il avait. Donc il faisait ça une première fois pour évaluer toutes les valeurs qu'il avait stockées. Donc là on imagine que par exemple l'utilisateur il vient de taper un nouveau caractère dans son mot de passe, dans son user.password. Et donc tu avais non seulement tout ce qui était affiché à l'écran qui résultait dans ce qu'on appelle un watcher, mais tu pouvais aussi en tant que développeur écrire toi-même des watchers. Et donc, dans un watcher, tu pouvais dire, si jamais cette expression, la valeur de cette expression a changé, à ce moment-là, je veux changer telle autre expression dans mon domaine métier. Donc, en fait, tu avais des changements en cascade comme ça qui pouvaient se produire, ce qui fait que Angular, quand il calculait l'état de ton application, il allait évaluer tous les watchers, toutes les expressions qui étaient ici, et à chaque fois qu'il y avait un résultat qui changeait, il relançait du coup toute une évaluation pour voir si ça n'avait pas déclenché un changement en cascade. Là, par exemple, on voit que l'attribut strength, c'est-à-dire la force du mot de passe, elle surveillait probablement la valeur du password, ce qui fait que si le mot de passe changeait, la force du mot de passe changeait à l'itération d'après. Donc en fait, ce que faisait Angular, c'est qu'il calculait l'état de l'application, en calculant la valeur de toutes les expressions qui étaient ici. Il allait le refaire une autre fois pour voir s'il n'y avait rien qui avait changé, et là, il y avait quelque chose qui avait changé puisque la force surveillait le password. Et il allait faire ça tant qu'il n'avait pas stabilisé l'état de ton application, c'est-à-dire tant que tous les changements en cascade ne s'étaient pas produits, tant que l'état de ton application n'était pas stabilisé, il allait reproduire ce cycle de digest, et une fois que tout était bien stabilisé, à ce moment-là, il appliquait les changements dans le DOM pour refléter à l'interface les changements que tu avais fait dans ton domaine métier. Ce comportement, donc, c'est ce qu'on appelle le digest, et cette boucle, en fait, il allait la faire au moins deux fois, c'est-à-dire il faisait une première passe et une deuxième, et si tout se passait bien, tout était identique, donc là, il faisait les changements. Mais comme il pouvait y avoir des changements en cascade, il allait peut-être le faire 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10 fois au maximum. Et si au bout de 10 fois, il y avait toujours des changements, Angular claquait une exception en disant « t'as probablement une boucle quelque part qui fait que l'expression A met à jour B met à jour C qui met à jour A et il n'arrivait pas à stabiliser l'application. » Mais sur une application de taille à peu près standard, c'était assez fréquent que tu aies à peu près 500 watchers, c'est-à-dire 500 choses dynamiques à l'écran. C'est vraiment une métrique, c'est pas quelque chose de volontairement exagéré. J'ai pris une de nos applications, j'ai pris un écran standard et j'ai regardé combien il y en avait. Et c'est quelque chose d'assez fréquent que j'ai vu chez différents clients. Donc tu pouvais avoir à peu près 500 expressions qui allaient être calculées 4 à 5 fois à chaque fois parce qu'à cause des changements en cascade, comme je vous disais, cette boucle elle se faisait plusieurs fois. Donc tu te retrouvais avec, on va dire, les 2000 évaluations qui se faisaient. Il faut bien voir que ça se faisait à chaque fois qu'il y avait un changement dans ton application. Donc genre quand ton utilisateur il entrait un nouveau caractère dans un champ, clac, ça relançait 2000 évaluations dans le navigateur. Et
La première fois que j'ai vu quelque chose comme ça m'a semblé un peu dingue. C'est-à-dire que tu te rends compte qu'à chaque fois que tu tapes un caractère, ton navigateur il recalcule 2000 expressions pour ton application, c'est un peu bizarre. Mais les navigateurs modernes sont en fait hyper rapides, ce qui fait que globalement, ça se passe généralement bien. Mais on a tous plus ou moins croisé des product owners qui essayent de te faire recoder Excel dans le navigateur. Et du coup, tu te retrouves avec un tableau de 20 colonnes, 200 lignes, avec des expressions dynamiques qui changent en cascade. Et là, forcément, du coup, Angular, il commençait à ramer. C'est d'ailleurs l'une des choses qui lui était reprochée. C'est-à-dire que je pense que les gens qui connaissaient mal ce modèle de fonctionnement et qui essayaient de faire de l'Angular un peu naïvement, se retrouvaient à taper un peu les limites de fonctionnement. On en arrive du coup à Angular 2, Angular tout court, où l'équipe Google, ayant tiré les leçons de ce qui s'était passé en Angular 1, a bien vu que les gens avaient envie de faire des grosses applications avec, qui ont peut-être plus de choses dynamiques à l'intérieur, plus de changements en cascade qui pouvaient se produire, etc. Donc ils ont un peu changé le principe de fonctionnement, aussi bien sur la partie quand est-ce que le changement est détecté que sur la partie comment le changement est détecté. Sur la partie quand, en fait, il n'y a plus besoin d'utiliser réellement le framework. Dans la petite démo que montrait Agnès, par exemple, on faisait un vrai set timeout. C'est-à-dire qu'on n'utilisait pas un service fourni par Angular ou quoi que ce soit, c'était la vraie API du navigateur qui permet de faire un traitement asynchrone. Derrière, en fait, pour qu'Angular soit au courant qu'il y a eu un changement qui s'est passé, ça utilise une librairie qui s'appelle ZoneJS. C'est aussi fait par l'équipe Google. C'est la première chose que tu charges dans ton application Angular 2. Et le but de ZoneJS, ça va être de patcher en fait chacune des API asynchrones du navigateur pour la remplacer par la version de ZoneJS qui ne fait que déléguer au navigateur derrière. Donc en fait, toi, quand tu fais un set timeout dans ton application Angular 2, en fait, tu appelles le set timeout de ZoneJS qui ne fait que déléguer au navigateur derrière le vrai set timeout, mais qui en fait connaît le cycle d'exécution du navigateur. Donc il sait quand est-ce que le set timeout a expiré. Et il émet une sorte d'événement que Angular peut écouter pour se dire « Ah bah tiens, il y a un changement asynchrone qui vient de se passer, donc il faut que je fasse ma détection de changement. » Donc il n'y a plus besoin en fait de faire des scope.apply comme on faisait en Angular 1, il n'y a plus besoin d'utiliser tous les services qui sont fournis par Angular, parce que derrière, en fait, même si tu écris du code complètement asynchrone, avec les vraies API du navigateur, ZoneJS va interpréter ça, au final, et notifier Angular qu'il y a eu un changement. Donc la partie quand a pas mal changé, et la partie comment change aussi. Parce que maintenant, nos applications, elles sont sous forme d'arbres comme ça. Et comme le disait Agnès, c'est plus comme en Angular 1, où en fait, tu pouvais avoir des changements en cascade, comme je vous expliquais juste avant. Maintenant, en fait, tu as forcément les données qui sont passées du parent vers les enfants, mais les enfants ne peuvent pas modifier les parents, par exemple. Donc ce qui se passe, c'est que Angular, quand il va détecter qu'est-ce qui a changé dans ton application, il va partir du composant d'en haut, il va regarder s'il y a eu des changements, il va descendre aux enfants, aux petits-enfants, etc. Et une fois qu'il a fini la passe, il sait qu'il a terminé, il affiche les changements dans le DOM directement. Donc on n'a plus les N-pass qui se font comme en Angular 1, où tu peux avoir 4 ou 5 évaluations. C'est-à-dire que du coup, pour la même complexité fonctionnelle que tu avais en Angular 1, tu vas te retrouver avec des temps d'évaluation qui sont 4 à 5 fois inférieurs, puisqu'il n'y a plus les 4 ou 5 passes nécessaires pour stabiliser le modèle. Ça, c'est le premier changement fondamental. Le deuxième, c'est que chez Google, ils ne savent pas trop mal faire des machines virtuelles. Par exemple, Android, ils ont complètement refait une machine virtuelle Java dessus. Chrome, qui est un navigateur Google que vous connaissez probablement, a aussi une machine JavaScript embarquée qui s'appelle V8 et qui a été complètement faite par Google, from scratch. Et du coup, Angular 2 utilise pas mal une technique d'optimisation d'exécution du code pour les machines virtuelles que je vais vous expliquer rapidement, qui s'appelle de l'inline caching. Donc il faut voir que JavaScript, quand tu l'exécutes, en fait dans le navigateur, il s'exécute dans une machine virtuelle. C'est une machine virtuelle comme en Java, comme il en existe dans d'autres langages, comme il en existait même en Smalltalk il y a de ça 30 ou 40 ans. Et d'ailleurs, cette technique qui s'appelle inline caching, elle a été inventée par Smalltalk probablement avant que je sois. Ce que c'est l'inline caching, c'est qu'en fait, quand tu vas exécuter du code comme ça dans une machine virtuelle, une fonction qui dit bonjour au nom de la personne que tu as passé en paramètre, jusque-là, je pense que tout le monde suit, cette fonction, quand elle va être exécutée par le navigateur, ce qui se passe, c'est que la machine virtuelle, elle reçoit donc l'adresse en mémoire de l'objet personne, et elle a besoin d'accéder à l'attribut name de cette personne. Donc dans un langage qui est dynamique comme JavaScript, elle est obligée de faire ce qu'on appelle un dynamic lookup, c'est-à-dire que si elle reçoit un objet qui est par exemple humain, donc la personne c'est un type humain, ce qui va se passer, c'est que pour aller récupérer la valeur de name en mémoire, il va falloir qu'elle parcourt les différentes propriétés de l'objet jusqu'à trouver le bon offset en mémoire qui correspond à la valeur du name. Une fois que ça a cette valeur, elle peut faire son travail de rajouter hello devant et de renvoyer le résultat. Cette partie qui s'appelle un dynamic lookup, c'est quelque chose qui est relativement long,
Donc les machines virtuelles de tous les langages, que ce soit en Java, en JS, etc., vont stocker cette valeur, c'est-à-dire que l'offset qui correspond à la propriété name de l'objet qui a la forme humain, elle va le stocker dans un cache, d'où le nom caching. D'où le nom caching. Et donc le cache, il ressemble à quelque chose comme ça. La machine virtuelle a un cache par méthode, où elle sait que si tu as passé un objet qui a la forme humain, que tu accèdes à la propriété name, l'offset à aller chercher, c'est celui-ci. Si le cache, il n'a qu'une seule entrée, c'est ce qu'on appelle un appel monomorphique, c'est-à-dire qu'en fait, les objets qui sont passés, ils ont tout le temps qu'une seule forme, monomorphique. Si jamais tu passes de nouveau un objet humain à ta méthode greetings, ce qui va se passer, c'est que cette fois-ci, plutôt qu'aller faire un dynamic lookup pour trouver l'offset en mémoire qui va bien, elle va utiliser directement la valeur qui est dans le cache et renvoyer le résultat, et ça, c'est beaucoup plus rapide. C'est genre à peu près 10 fois plus rapide d'après ce que dit Google. Ce qui se passe, c'est que si jamais tu rappelles ta méthode greeting, cette fois-ci avec un objet qui a une forme différente, par exemple un animal, à ce moment-là, la machine virtuelle est obligée de refaire un dynamic lookup parce qu'elle ne connaît pas cette forme encore dans son cache, donc elle fait un dynamic lookup, elle trouve le nouvel offset pour cette nouvelle forme d'objet et elle va stocker cet offset-là. Donc le cache, cette fois-ci, il aura deux entrées, c'est ce qu'on appelle un appel polymorphique parce qu'il peut recevoir plusieurs formes d'objets. Et ça, c'est un petit peu plus long qu'un appel monomorphique qu'on a vu avant. Et si jamais en fait tu appelles cette méthode avec un troisième type de personne, donc il y a les humains, il y a les animaux, et le troisième type c'est les managers, du coup si tu appelles cette méthode greetings avec un manager, ce qui se passe c'est que la machine virtuelle fait encore un dynamic lookup pour trouver l'offset, mais en fait au bon moment elle laisse tomber le fait de le stocker parce qu'elle se dit que ça va lui coûter plus cher de parcourir le cache à chaque fois que d'aller chercher la propriété à la demande. Donc en fait au bout d'un moment le cache n'existe plus, il est pété, et c'est ce qu'on appelle du coup des appels mégamorphiques. Qu'on appelle des appels mégamorphiques, c'est-à-dire que les objets peuvent avoir tellement de formes que la machine virtuelle ne peut plus optimiser l'appel. Et ça, c'est beaucoup plus lent. Ce que je vous disais, les appels monomorphiques, c'est les plus rapides, ils peuvent aller jusqu'à 10 fois plus vite que des appels mégamorphiques, par exemple. Donc tous les gens qui font du JS, qui font des frameworks, les gens qui bossent sur Node.js, pour ceux à qui ça parle, les gens qui font React, les gens qui font Angular, les gens qui font tous les frameworks que vous connaissez, ils essayent de faire en sorte que le code qui est exécuté par ces frameworks-là soit toujours monomorphique et jamais mégamorphique. Mais le problème d'Angular 1, c'est qu'en fait, Angular 1, il avait une méthode qui lui servait à évaluer ces fameuses expressions, ces watchers dont je vous parlais tout à l'heure. Ils étaient tous évalués par une méthode qui s'appelait eval dans le framework, qui recevait l'expression et un contexte. Et ce fameux contexte, là, c'est le scope d'Angular 1. Et ce scope, comme il changeait tout le temps de forme, en fait, les appels d'Angular 1, ils étaient tout le temps mégamorphiques. Donc en fait, tu avais ces 2000 évaluations qui étaient faites tout le temps dans la même méthode, et ce code-là n'était pas optimisé pour les machines virtuelles JavaScript, ce qui fait que le code était relativement lent. Ça allait quand même assez vite, mais c'était quand même du code relativement lent. Du coup, quand ils ont fait Angular 2, ils se sont dit, on va faire un petit peu mieux. Et ce qui se passe, c'est que Angular va générer en fait du code pour chacun des composants de ton application. Il va générer dynamiquement du code au démarrage de ton application, qui va être spécifiquement fait pour évaluer s'il y a eu des changements dans ce composant-là. Ça génère du code qui ressemble à quelque chose comme ça. En fait, par exemple, pour le Pony Component qu'on avait là tout à l'heure, ça va générer un bout de JS, un objet JavaScript dynamiquement, avec une méthode qui s'appelle Detect Internal Changes, qui reçoit le composant en question que tu veux vérifier, donc notre instance de Pony Component. Et ce qui se passe, c'est qu'on avait un bout de code dont, en fait, on avait une image dont la source était liée au résultat de getPonyImage. Donc ce que fait Angular, il génère ce bout de code dynamique là, où il génère qu'il va aller chercher la nouvelle valeur de getPonyImage sur le composant, il va regarder si la nouvelle valeur est différente de la dernière valeur qu'il avait stockée, et si c'est le cas, il va exécuter cette instruction DOM là, où il va aller mettre à jour la propriété source de l'image avec la nouvelle valeur, et il va stocker la nouvelle valeur à la place de l'ancienne valeur. Et donc pour chaque chose que tu fais dynamiquement dans ton template, en fait Angular parse ces templates au démarrage, et génère en fait du code JavaScript comme ça derrière, sur mesure pour chacun des composants. Ce qui se passe ensuite, c'est qu'à chaque fois qu'Angular va évaluer les changements dans ton application, comme il appelle ces classes, ces objets JavaScript qui ont été faits sur mesure, ça c'est que des appels monomorphiques qui sont faits, et donc ils sont beaucoup, beaucoup plus rapides en Angular 2. Donc en Angular 2, 3, 4, 5, 6, les changements, la détection de changements en fait va aller beaucoup plus vite parce que t'as plus les cycles qui sont faits comme avant, et en plus chacune des évaluations va beaucoup plus vite.
ce que je vous disais, donc, c'est qu'au démarrage de ton application, Angular il compile en fait tous les templates que tu as fait, donc tous les bouts de HTML que tu as codés, il les compile et il génère du JavaScript dynamiquement à chaque démarrage de l'application. Et si tu ouvres la console Chrome de ton application, là tu peux voir quelle est la consommation du CPU JS au chargement d'une application. Et tu peux voir que sur une application Angular 2, généralement ça met pas mal de temps à démarrer. Donc il y a un temps de démarrage normal, c'est-à-dire qu'un navigateur, quand il reçoit du JavaScript, il faut qu'il le parse, il commence à l'exécuter, donc ça c'est normal. Mais en Angular 2, en plus, du coup, au démarrage, tu as toute cette phase de génération de JavaScript dynamique qui se fait quand il parse les templates. Et donc tu as tout un bout, 400-500 millisecondes, là, qui sont rajoutés pour générer ce code dynamiquement. C'est pas forcément un problème, ça dépend un peu des applications que tu fais. Mais il y a des gens pour qui le démarrage d'une application, c'est quelque chose qui est très important. Si par exemple tu fais des sites e-commerce, on sait que si le site met trop de temps à se charger, les utilisateurs se lassent et ils partent chez un concurrent. Et globalement, tu as les sites genre Amazon, tout ça, ils font de gros gros efforts pour que le temps de chargement de la page et d'affichage de ta page soit le plus court possible. Et donc bien sûr, Google, ils se sont dit que c'était pas forcément une super bonne idée de rajouter une demi-seconde ou une seconde au démarrage de chaque application et qu'à chaque fois que tu fasses F5, en plus, ça soit refait systématiquement. Sachant que ça, c'est sur un navigateur Chrome, sur un MacBook que tu payes 4 000 €, mais tu fais ça sur un téléphone un peu ancien, bah, du coup, forcément, ça va mettre encore plus de temps parce qu'il y a encore moins de ressources sur le téléphone, etc. Donc ce mode de génération de code au démarrage de ton application, c'est pas le seul mode d'Angular. Tu as un autre mode qui s'appelle de la compilation en avance de phase, quoi, ahead of time, à opposer à la génération au démarrage de l'application qu'on appelle just-in-time. Le just-in-time, en fait, c'est ce dont je vous parlais, c'est-à-dire que quand tu codes, toi, tu fais des fichiers TypeScript et des fichiers HTML. Quand tu builds ton application, tu as du JavaScript qui va être généré à partir du TypeScript. Et au démarrage de ton application, dans le navigateur, Angular parse le HTML et génère du JavaScript. Et tout ça est exécuté ensuite. Ça, c'est le mode just-in-time. Et l'autre mode qui permet d'optimiser un peu tout ça, c'est ce qu'on appelle la compilation ahead of time. Et là, pour le coup, tu vas écrire donc, toujours ton TypeScript et ton HTML quand tu es en dev. Si ce n'est que là, maintenant, tu compiles à la fois ton TypeScript et aussi ton HTML quand tu es en train de construire ton application. Et ça se fait plus au runtime. Et en fait, le HTML, il va d'abord commencer par générer du TypeScript avant d'ensuite de générer du JS. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, le TypeScript qui est généré, ça permet du coup de vérifier que ton template, tu n'as pas fait d'erreur de syntaxe dedans. Parce que du coup, comme ça va générer du code TypeScript et que toi, tu as codé toute ta logique métier en TypeScript, ça va permettre en fait à Angular de voir si tu as bien utilisé les bonnes entités dans tes templates et que tu n'as pas fait une bête typo sur le nom du bonnet ou le nom de la méthode que tu veux appeler. Ça génère du code qui ressemble à ça, qui est à peu près identique à celui qu'on a vu tout à l'heure, si ce n'est que cette fois-ci, c'est du TypeScript. Et donc, en fait, là, il va savoir que component, c'est un pony component, qu'il a bien une méthode qui s'appelle getPonyImage, ce qui fait que si dans ton HTML, tu t'étais trompé et que tu avais fait une typo dans le nom de la méthode, à la compilation de ton application, tu aurais une erreur qui te dirait bah, tu as un template qui est invalide. Si vous avez déjà fait de l'Angular 1, vous savez que probablement que c'était assez pénible de se rendre compte de ce genre d'erreur, parce qu'en fait tu les voyais que quand tu étais dans le navigateur, et encore si tu étais sur la bonne page qui affichait le problème que tu as eu. Là en fait maintenant c'est tout compilé en même temps que ton code applicatif, donc en fait au build tu sais si tous tes templates de ton application sont valides. Donc ça c'est le premier avantage, et ensuite donc le TypeScript est génère du JavaScript. Et c'est tout ce JavaScript que tu envoies à ton utilisateur. Ce qui fait que en fait, ton application elle va démarrer plus vite puisque toutes ces classes dynamiques JS sont déjà générées. Elles n'ont pas besoin d'être générées à chaque fois que ton utilisateur y charge la page. Donc tu raccourcis ton temps de chargement pas mal. Ensuite, je voulais vous parler juste un petit peu de packaging pour vous montrer un autre avantage que ça peut avoir. Si tu faisais une application Angular 1, et puis dans la plupart des frameworks ça fonctionne comme ça, tu avais une page HTML de base et dedans tu allais mettre du coup les différents scripts que tu voulais embarquer dans ton application, donc la librairie Angular minifiée, les librairies tierces que tu veux utiliser et puis ton code applicatif à toi. Dans les frameworks JavaScript modernes, ça fonctionne de façon un petit peu différente parce que Agnès vous l'a dit rapidement tout à l'heure, mais maintenant JavaScript, depuis la nouvelle spec là, qui est sortie l'année dernière, a ce qu'on appelle un mécanisme de module, c'est-à-dire que tu peux faire des imports-exports dans tes fichiers. Donc en fait, chaque bout de ton application va être un module et tu vas les inclure de bout en bout. Donc ton application, elle ressemble un peu à un graphe comme ça, c'est-à-dire que tu as un fichier principal de démarrage de ton appli qui va importer des choses, qui vont même importer des choses. Et ces imports, ils vont aussi avec Angular, c'est-à-dire que certains de tes fichiers ont besoin de choses qui sont données par Angular, comme le décorateur component que montrait Agnès tout à l'heure.
Du coup, ça veut dire que ton application JavaScript, elle a peut-être 100 ou 150 fichiers qui sont chacun des modules et qui chargent eux-mêmes d'autres fichiers JavaScript derrière. Si tu essayes de charger ça dans ton navigateur directement, tu te retrouves avec ce phénomène de chargement que vous avez peut-être déjà vu, c'est-à-dire qu'en fait, si tu ouvres la timeline de chargement de ton application, tu vas voir que tu as le premier fichier qui est chargé. Une fois qu'il est chargé, comme il y a des imports dedans, ça va déclencher le chargement d'autres fichiers JavaScript qui eux-mêmes vont déclencher le chargement d'autres fichiers, etc. Donc tu as un chargement en cascade comme ça qui va s'effectuer. Et quand tu es en local sur ta machine, ça va relativement vite, mais évidemment, dès que tu rajoutes du réseau là-dessus, le chargement de ton application, s'il faut que ça charge 200 fichiers bout à bout comme ça, ça met pas mal de temps. Donc on fait pas ça maintenant sur les applications JS modernes. Avant d'envoyer ces 200 fichiers à ton utilisateur, on fait ce qu'on appelle du bundling. Et le bundling, sa responsabilité, c'est de prendre tous les bouts de ton application et de faire un gros bout de JavaScript qui les contient tous déjà dans un même fichier. Il les remet dans le bon ordre. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il va faire ce qu'on appelle du tree shaking. C'est-à-dire que si dans ton application, tu n'utilises pas certains bouts du framework Angular, par exemple, tu pourrais très bien faire de l'Angular juste pour avoir une partie dynamique dans ton application, mais pas du tout utiliser la partie gestion des formulaires qui est fournie dans Angular. Du coup, le package que tu vas faire, il va contenir juste le code dont tu as besoin et le code d'Angular dont tu as besoin. Il n'y aura pas toutes les parties d'Angular que tu n'utilises pas dedans. Alors que quand tu fais une application Angular 1, tu embarques toute la librairie, quelle que soit l'utilisation que tu en faisais. Que tu utilises 1% ou 99% des fonctionnalités, tu envoyais quand même la totalité de la librairie à ton utilisateur. Et comme on est toujours dans un monde web où on essaye de faire des pages qui se chargent le plus vite possible et qui consomment le moins de ressources possible, le moins de bandes passantes possible, on essaye de faire des tout petits fichiers JavaScript. Et donc ce côté tree shaking, là, qui va prendre que les parties nécessaires de ton application, ça fait des bundles qui sont un peu plus petits. Pardon. C'est d'autant plus le cas si tu fais ce mode ahead of time, parce que ça veut dire qu'en fait, tu ne vas pas avoir besoin d'envoyer le compilateur de template Angular à ton utilisateur. Et c'est pas rien parce qu'en fait ça représente à peu près 40-50% de la taille d'Angular qu'on envoie à l'utilisateur. Donc quand tu es en mode just in time, tu envoies, je vais dire une bêtise, mais tu envoies 100K à ton utilisateur d'Angular, et quand tu es en mode ahead of time, où tu as déjà précompilé tes templates, tu n'envoies que 50K d'Angular à ton utilisateur. Le côté tree shaking est encore plus poussé quand tu fais la compilation ahead of time, parce que Angular c'est exactement ce que tu vas utiliser. Si il est obligé d'attendre la génération de code dans le navigateur pour parser tes templates, il ne peut pas savoir en avance de phase si tu as utilisé des bouts du formulaire d'Angular ou pas. Puisque ça se trouve, quand il va parser le template, il va tomber sur un truc formulaire, donc il aurait besoin d'envoyer le code des formulaires. Si tu as pré-généré le code au moment de ton build en mode ahead of time, il sait exactement ce que tu utilises du framework, donc il envoie que ce qu'il faut au final. Par contre, le JS qui va être généré par ces templates HTML quand ils sont parsés, il peut éventuellement être plus gros que les HTML en eux-mêmes, parce que ça génère plein de codes dynamiques, comme je vous ai montré. Et ce code dynamique, pour l'instant, ils sont en train de travailler dessus, mais pour l'instant, ça peut générer du code qui prend plus de place que si tu avais envoyé les HTML à l'utilisateur. Donc, est-ce qu'on peut faire quelque chose qui soit à la fois rapide à démarrer et pas trop? Donc, on revient sur le schéma initial où on a notre application sous forme de module, avec tous nos composants, etc. On va essayer de prendre un exemple où on a une interaction de l'utilisateur avec notre application. Donc l'utilisateur va vouloir accéder à notre application, donc la racine de l'application. On lui envoie l'index et on va avoir ce gros bundle qui va être finalement pas si petit que ça, avec l'intégralité de l'application. Ça, c'est la première chose qui se passe. Si jamais on se met dans un mode de pensée où on se dit « Ouais, mais moi, j'aimerais bien qu'en fonction des modules que j'ai écrits dans mon application, on a dit tout à l'heure qu'on pouvait faire des modules, avoir dans une application un ensemble de composants qui soit juste en charge de l'administration, par exemple, ou juste en charge d'un pan fonctionnel, on pourrait se dire, ce serait quand même vachement cool, qu'on ne charge pas, typiquement, le module d'administration si ce n'est pas nécessaire, si l'utilisateur ne clique pas sur le fait d'accéder aux écrans d'administration. Ben ça, grâce au routeur Angular 2, ça va être possible, parce que dans l'écriture du routeur, c'est vrai que tu as bien placé quand tu as regardé tous les commits au mois d'août, pour voir qu'ils étaient en train de réécrire à fond ce routeur pour justement pouvoir prendre le bénéfice des modules. Et donc, dans le routeur, on peut facilement faire le lien entre ce que le module où on veut aller et l'ensemble de composants qui est sous-jacent. Donc, ça veut dire que quand l'utilisateur il va interagir avec notre application, il va toujours accéder via la racine à l'index HTML et à un bundle qui correspond.
Et quand il va, admettons, on est dans un use case où il va cliquer sur les fonctions d'administration, bah à ce moment-là, on va lui renvoyer juste le bundle qui correspond au module d'administration. Et si jamais il ne clique pas sur ce bouton-là, bah du coup, le bundle sous-jacent aux fonctions d'administration ne sera pas chargé. Et donc, c'est vachement cool. Pour ceux, typiquement, pour l'utilisateur qui n'est pas administrateur et qui ne va pas cliquer dessus. Donc, on est dans un mode de pensée où on va avoir non pas un bundle, certes optimisé, mais finalement pas si petit que ça, mais plein de petits bundles. Ça, c'est possible grâce au builder sous-jacent à Angular CLI qui nous permet de construire nos applications. Et on va aller plus loin même. Alors, maintenant, avec Angular 2, vous pouvez même avoir une stratégie de preloading. C'est-à-dire qu'on peut imaginer la même chose que tout à l'heure, l'utilisateur se connecte à l'application, on lui renvoie le bundle applicatif, mais on vient de choper l'info suivante, tiens, votre bonhomme, c'est un administrateur. Il a un profil particulier, on sait que c'est Cédric Ecroyac, qu'il est administrateur de cette application. Et bien à ce moment-là, on va préloader le module, le bundle sous-jacent aux fonctions d'administration de notre application. Et du coup, en fait, quand il va vouloir accéder à l'ensemble des composants sous-jacents à l'administration, le bundle aura été chargé juste après. Donc c'est quand même plutôt sympa. On espère que l'application, que notre présentation vous aura permis de pouvoir un peu plus comprendre ce qu'il y a derrière les mécanismes de détection de changement. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que vraiment les personnes qui ont bossé sur le framework et la refonte de cette deuxième version d'Angular, ils ont vraiment mis le paquet là-dessus. Donc Cédric vous a parlé de ça. On vous a parlé de tout un tas d'autres trucs qui vous permettent d'optimiser réellement les performances de vos applications web. On vous remercie pour la présentation. Ce qu'on vous propose également, c'est grâce à ce discount code que vous voyez affiché, de pouvoir bénéficier de 30% de réduction sur notre pack pro. Et si vous avez des questions, on est tout disposé à y répondre. Merci. On peut manger, on peut en discuter à table aussi. Dans Angular 1, il y a certaines des nesting views avec les nesting views dans Angular. Yes. J'ai un peu de mal à voir comment on peut avoir la même approche avec les composants, c'est-à-dire tu déclares ta première vue, puis tu n'as qu'une partie de ta page qui change, donc tu ne recharges pas tous tes composants, tu gardes les résultats. Ouais, ça existe toujours, c'est-à-dire que dans le nouveau routeur, ils ont intégré ce comportement-là qui était dans le UI routeur, j'imagine, ce que tu veux dire. Tu as quand même ce comportement-là, c'est-à-dire que tu peux avoir des vues hiérarchiques, c'est-à-dire ton routeur, il va dire pour telle URL, j'affiche tel composant, et en fonction d'une autre partie de l'URL, à l'intérieur de ce composant, il va afficher une autre sous-partie que tu aurais définie. Ça existe toujours. Okay. Parce que je l'ai pas fait par défaut, et c'est un peu. Je t'expliquerai ça si tu veux, mais c'est pas compliqué. Quelqu'un d'autre? Au GNJS, lundi, on en a donné 7 13 ans, on s'est fait défoncer. 45 minutes de question. On a terminé. Donc c'est cool aussi l'interrogation. En termes de fonctionnement interne, comment il se situe, mais est-ce qu'on est sur un fonctionnement identique avec du React, avec du JS, ou ils ont quand même. Parce qu'ils sont arrivés, Angular 2 arrive entre guillemets en retard par rapport à React et Vue par exemple. Est-ce qu'ils arrivent avec des nouveautés hyper intéressantes que tu as présentées, ou c'est déjà des choses qu'on retrouvait avant dans les autres, on va dire, frameworks modernes de cette génération-là? C'est une bonne question. En fait, le comportement est vraiment différent. C'est-à-dire que React et Vue, par exemple, ils utilisent ce qu'on appelle du virtual DOM. C'est-à-dire qu'en fait, pour eux, à chaque fois que tu as un changement dans ton application, déjà il faut le dire explicitement au framework, c'est-à-dire que par exemple en React, tu as une méthode qui s'appelle setState, donc à chaque fois que tu fais un changement, tu appelles le setState pour dire au framework, tiens, j'ai fait ce changement-là. Donc tu n'as pas le côté détection magique d'Angular, c'est plus explicite. Par contre, du coup, ce que fait React, c'est que par exemple, il va repasser tous tes composants, il va les régénérer tous en entier à chaque fois, d'accord ? Et il génère ce qu'on appelle il ne va pas écrire ces changements directement dans le DOM, il va les écrire dans un virtual DOM, qui a une snapshot du DOM qui était affiché avant, il regarde avec le nouveau DOM ce qui s'est passé, et en gros, tu as deux graphes qui sont créés. Tu as le graphe des anciens composants, des anciens nœuds HTML qui sont créés, et le graphe des nouveaux nœuds. Il fait une différence pour voir ce qui s'est passé,
et il va vraiment appliquer que cette différence-là. Angular, c'est pas tout à fait pareil, parce que du coup, ils n'ont pas ce comportement virtuel d'homme. Eux, ils génèrent exactement les instructions d'homme nécessaires à chaque changement que tu peux avoir dans ton application. Donc genre, ils savent que si tu as dit que la source de ton image est dynamique et elle est liée au résultat de telle méthode, ils génèrent le code qui fait que si le résultat de la méthode change, ils mettent à jour la propriété source. Donc cette génération de code, justement, dynamique, qui fait que... Exactement. Et en termes de performance, c'est difficile de savoir s'il y a vraiment une solution qui est au-dessus de l'autre. On n'est pas sur le même concept en fait. C'est pas le même concept. Voilà. Exactement. Ouais, non, mais je pourrais en parler 2 ou 3 heures de ce genre de truc. React fait des compromis sur certaines choses parce que parcourir 2 arbres pour voir leur différence minimum entre elles, c'est un algorithme qui, même dans les papiers de recherche, le meilleur truc que tu peux faire, c'est du O de N cube. C'est-à-dire que si tu as 1000 composants, il faudrait 1 milliard d'opérations pour trouver le chemin minimum pour mettre à jour de passer de l'arbre A à l'arbre B. Donc évidemment, c'est pas quelque chose qu'ils font. Donc en fait, ils font plein d'approximations pour dire si tu as tel truc qui a changé, ils scratchent toute la partie de l'arbre pour la recréer, quoi. Même si tu as qu'un tout petit truc qui a changé, tu vois. Angular, c'est pas pareil, parce qu'ils vont essayer de conserver au maximum tout le DOM qui est affiché et juste mettre à jour la propriété qui change ou le bout de texte qui change en fonction du changement que tu as fait. Donc en fait, tu dois avoir des use cases où il y en a un qui est meilleur que l'autre, forcément. Mais voilà, les approches sont différentes. C'est une très bonne question. Pérennisation d'utilisation du framework, c'est-à-dire le ratio entre le temps de l'apprendre et le temps où il sera obsolète. Tu situes comment par rapport à Angular 1 parce que tu as déjà parlé d'Angular 4, 5, 6, même si tu as dit qu'avec le sémantique versioning ça changeait. Ouais. D'un point de vue de développeur qui investit dans la formation d'une équipe, l'annonce d'Angular 2, moi, m'a Avant que tu répondes, je vais donner l'œil moins expert que Cédric sur Angular. Moi, j'ai fait les deux, donc Angular 1, Angular 2. Angular 1, honnêtement, toute la partie directive, j'ai trouvé ça compliqué. Beaucoup plus compliqué que ce qui est proposé ici sur la logique composant qui est native dans l'approche du framework. Donc, j'ai moins galéré sur cette partie-là en Angular 2. Je trouve que quand je suivais Cédric qui écrivait le livre, j'essayais de comprendre... tout le contenu de sous le capot qu'on vient de vous présenter ici, ça effectivement, bah voilà, c'est pas forcément facile à apprendre, mais sur une utilisation développeur du framework, je trouve presque que c'est plus facile en fait qu'Angular. Et c'est pas un mythe quoi, c'est pour vraiment l'avoir vécu. J'ai pas beaucoup développé en Angular 1, mais... pour ta question, j'ai envie de dire bienvenue dans le monde JavaScript, hein, c'est-à-dire que apprendre un outil qui dure plus de 3 ans ou 4 ans, ça arrive pas tous les jours. Ça change hyper vite, il y a toujours des nouveaux concepts qui émergent, etc. Je pense que Angular est resté quand même pas mal de temps. Angular 1, ça a été 7 ans, hein. Tu t'es peut-être mis un peu sur le tard, mais ça a duré 7 ans et ça avait certaines limites. Ça n'empêche pas que tu puisses continuer à l'utiliser, hein. C'est pas parce qu'ils font Angular 2 qu'Angular 1 n'existe plus. C'est-à-dire qu'Angular 1, ça convient très bien à plein d'entreprises qui ont des applications qui sont massivement utilisées en Angular. Après, partir sur des nouvelles applications, tu peux considérer plein d'alternatives. Je pense que React ou Angular 2 sont clairement les deux nettement favoris là-dedans. Ils ne sont pas partis pour faire Angular 2 et l'arrêter l'année prochaine. C'est-à-dire, voilà, Angular 4, Angular 5, s'ils annoncent ça, c'est parce qu'il y a déjà des choses qui sont planifiées. C'est juste de l'évolution. C'est-à-dire que tout ce qu'on a montré là, la syntaxe et tout, ça sera exactement la même. C'est juste qu'ils sont en train de changer. Ils essayent de faire des choses qui sont de plus en plus optimisées. Genre, le code qui va être généré, il sera différent, tout ça. Mais en fait, toi, en tant que développeur, normalement, ça ne devrait pas changer ta vie. Et je pense que le plus gros gap pour se mettre en Angular 2, mais même à React, c'est la même chose, c'est que le nouvel écosystème JavaScript, qui fait qu'il faut connaître soit ES6, soit TypeScript, tous les outils qui sont à côté, Node, le bundling, tout ça, c'est toutes ces étapes-là qui sont difficiles à monter. Et les frameworks en eux-mêmes, React ou Angular, c'est pas forcément la grosse partie de la complexité du projet. Je pense que ceux qui font des applis pro et qui utilisent ces outils, j'en vois plusieurs qui opinent de la tête, donc je pense qu'ils sont d'accord. Globalement, c'est l'écosystème JS moderne qui bouge extrêmement vite avec plein d'outils, de builds, etc. qui changent régulièrement, qui est difficile à suivre. Les frameworks en eux-mêmes, c'est quasiment les pierres les plus stables que tu as dans l'écosystème actuel. Donc après, fais du React ou du Angular, je ne saurais quoi te conseiller, mais je pense que ça vaut le coup de les apprendre, d'en apprendre au moins un des deux, pour ne serait-ce que la culture personnelle de développeur JS. Mais ouais, c'est monter les marges de l'écosystème que je trouve plus compliqué que vraiment apprendre les frameworks.
Par contre, dans les points positifs, on a essayé de vous montrer que les concepteurs de Angular 2 privilégient énormément avec ECMAScript 6 et TypeScript. Moi, ça m'a quand même un peu changé ma vie de Node.js, quoi. Enfin, je suis vraiment plus développeur back-end que front-end. Bah, c'est Angular 2 qui m'a fait dire, putain, c'est cool de faire du TypeScript, quoi. Non, mais sans rire, hein. D'avoir des types, des classes, je trouve ça génial, quoi. Il y a un côté très structuré, très proche de on fait des applications sérieuses. Quoi. Ça a un peu changé du côté, on fait du JS un peu comme on faisait du PHP il y a 10 ans, et puis après tu as des frameworks qui sont apparus pour structurer un peu le truc. Là, JS est un peu dans la même phase d'évolution. Tu faisais du JS un peu en mettant un script, et puis tu mettais des trucs, tu ne savais pas trop comment ça marchait, mais ça marchait. Et puis là, maintenant, tu commences à avoir une organisation où voilà, tu fais des choses un peu structurées, tu as des optimisations que tu peux activer derrière, des choses comme ça. Et ce talk-là, on l'a tourné, on va le faire à Stockholm, en fait, à une conférence qui s'appelle JFocus, plutôt des développeurs Java, quoi. Et notre challenge, c'était de dire, bah, regardez, c'est pas que des hipsters, les gens qui font du JS, c'est aussi des choses sérieuses, et c'est pour ça qu'on parle d'optimisation de performance, etc. Voilà. Moi, en tout cas, je trouve que, en regardant un petit peu ce qui se passe derrière, on se rend compte qu'il y a quand même des gens qui ont bossé, quoi. Ce que je trouve marrant dans ce nouvel écosystème, c'est que les gens qui font React ou les gens qui font Angular, derrière, c'est des vrais experts des machines virtuelles, c'est des vrais experts de la génération de code. C'est pas des choses qu'on avait il y a de ça 4-5 ans dans l'écosystème JS où c'était des libs qui faisaient du. Tu vois, tu faisais du jQuery ou tu faisais des callbacks, tu allais chercher tes petits trucs à la main, tu les mettais à jour. Ce qui fonctionne très bien jusqu'à un certain volume. Mais maintenant, t'as des vrais gens qui font des trucs hyper poussés où t'as des chercheurs derrière qui essayent de trouver les meilleurs algorithmes de parcours d'arbres, etc. Des trucs que tu vois vaguement à l'école, mais tu sais que tu n'utiliseras toi jamais. Mais il y a des gens qui l'utilisent vraiment, quoi. Et je trouve ça assez passionnant. Et André Serzenberg, le mec dont on parlait, qui a fait TypeScript, ben voilà, typiquement, c'est l'image même de quelqu'un qui a fait plein d'autres choses avant, des choses qui sont pas si mal. Toi, je peux dire, il y avait déjà une question là-bas. Ouais. TypeScript, c'est vraiment juste tout le code JavaScript que tu fais, c'est du TypeScript valide, quoi. Si ce n'est que TypeScript, tu peux en plus donner des indications pour dire telle variable ou tel champ de ma classe, il a tel type. Et ça, en fait, je pense que dans les applications d'entreprise, globalement, des choses où tu as des équipes de 6, 8, 20 développeurs qui bossent sur des domaines métiers qui peuvent être parfois complexes, le fait d'avoir une représentation typée de ton domaine métier, ça veut dire que quand tu as un nouveau développeur qui arrive, tu lui dis, bah, tiens, va bosser sur ce bout de code là, il va aller sur le bout de code en question, il va se dire, ah bah oui, ok, sur cet objet là, on a toutes ces propriétés là qui sont disponibles. En termes de maintenabilité des applications, je pense que tous ceux qui font du JS depuis pas mal d'années savent que c'est compliqué de maintenir des grosses applications JavaScript, parce que ce côté dynamique fait que tu as très peu de garanties que quand tu modifies un bout de code, tu pètes pas quelque chose ailleurs. Le fait d'avoir des types veut dire que tu as un compilateur qui va valider la validité de ton programme, et du coup, tu sais que si tu changes quelque chose dans un type, tu vas voir exactement l'impact que tu as sur ton application. Ça, c'est purement en termes de développeur. Et après, sur l'écosystème en lui-même, les IDE sont absolument incapables de faire de l'inférence poussée sur des choses qui sont complètement dynamiques. Ce qui fait que si tu tentes de faire un contrôle espace pour avoir ton autocomplétion dans ton IDE sur du pur JS, il va te proposer à peu près 2000 choses disponibles parce qu'il ne peut pas savoir, quoi. C'est tout dans l'espace global, donc globalement, tu as accès à tout. Tandis que si tu fais du TypeScript, tu as vraiment un contexte, tu as un type, il sait exactement ce qu'il peut te proposer. Et ça, c'est pour l'IDE, mais tu as aussi tous les outils d'analyse statique qui ensuite peuvent se mettre en marche, où ils sont capables de te dire si tu utilises bien ton code, et ils sont capables de faire des études beaucoup plus poussées sur le flow de ton code par rapport à l'utilisation purement dynamique. Je sais pas, moi ça m'a pas. Je suis désolé, je peux pas faire mieux que ça. Mais... Après, l'injection dépend, il y a d'autres choses sur les classes et des trucs. Mais oui. Tu fais quoi comme langage à la base? Surtout en Ruby. Voilà. Mais donc, c'est pas lié spécialement en Ruby, hein. C'est juste que c'est là que pour un quelque chose la chose, c'est si on veut exploiter le JavaScript, on l'utilise dans le spec du JavaScript.
Je pense que le côté dynamiquement typé contre statiquement typé, c'est un débat, oui, qui, c'est un débat qui dépasse. Est-ce le troll on peut y passer la soirée sans trouver vraiment de consensus là-dessus. Et chaque technique a son avantage. Je pense que sur les gros projets, c'est peut-être, tu vois, quand tu fais du JS sur une petite appli avec 2-3 personnes, c'est complètement possible d'en faire en full JS. On en fait depuis des années, il n'y a aucun souci. Et là, je vois que depuis 2 ans, les clients avec lesquels on bosse qui font du TypeScript, ils en sont hyper contents parce que tu as. La montée en compétence n'est pas dure du tout parce que c'est juste du JS qui rajoute des types par-dessus. La complexité est zéro à apprendre et par-dessus ça te rajoute une grande sécurité sur ton code. Voilà. Mais je comprends ton point de vue et c'est pas, j'ai absolument pas l'envie de te convaincre. Moi, mon point de vue, ce serait plutôt de changer l'architecture des applications et pas de rentrer dans la. Je pense qu'on part pas sur les mêmes considérations, mais on en discute après. Moi j'avais une question sur l'écosystème. Moi j'ai fait du Angular 1 pendant 2 ans et demi et quelques. Mm-hmm. Et c'est vrai que chez les différents clients c'était ah ouais c'est génial, on a trouvé tel composant qui fait l'énième data grid, on a le composant qui fait ci, qui fait ça. Question un peu difficile, est-ce que tu saurais dire à peu près sur Angular 2 maintenant ce qui est disponible en termes de composants sur internet, est-ce qu'on est à 50% de ce qu'on avait sur le 1 dans la communauté, est-ce qu'on est à 20, 70? Parce que je sais qu'il y a eu un énorme engouement en termes de livres, de formations, d'articles quand la version 2 a commencé à émerger. Est-ce que les gens ont tout de suite commencé à faire des composants? C'est une bonne question. C'est un peu difficile à loger. Hein, je peux te le faire un peu au dos. Ouais, voilà. En termes de purement composants graphiques, t'as quand même, il y a deux gros efforts, on va dire. Il y a Angular Material qui est l'équipe Google officiel qui essaye de faire des widgets qui soient dans l'esthétique Material Design, pour ceux qui ça parle, et tu as l'équipe qui s'appelle NG, qui fait le projet NG Bootstrap, qui est justement du coup la librairie Bootstrap que vous connaissez peut-être, CSS, où justement ils font des widgets graphiques comme ça. Ces deux librairies ne sont pas finies, il y a certains composants qui ne sont pas dans l'une ou pas dans l'autre, tu n'as pas de solution qui soit à 100% couverte. Après, tu as plein de petits composants qui sont faits par plein de développeurs, qui ont des niveaux de maturité divers, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont vraiment suivi les évolutions d'Angular et qui du coup sont prêts depuis les 2 derniers mois. Angular est sorti littéralement il y a 2 mois, hein, donc on est vraiment sur un truc encore neuf, mais il y en a qui ont suivi l'évolution et tu as des composants qui sont prêts, tu en as d'autres qui ont été plus ou moins abandonnés au milieu. Donc l'écosystème n'est pas du tout encore au niveau de maturité qu'on avait avec Angular 1 en termes de composants graphiques. Après, en termes de librairies dont on aura besoin, il y en aura besoin de beaucoup moins à cause de ZoneJS, parce qu'en fait, en Angular 1, il y avait besoin d'avoir beaucoup de wrappers autour de plein de choses pour qu'Angular soit au courant de ce qui se passait. En Angular 2, ce ne sera pas le cas. Donc je pense qu'on aura fondamentalement un écosystème qui sera plus petit, parce qu'il y aura moins besoin d'avoir des choses tierces comme ça. Mais voilà, en termes de composants graphiques, je pense qu'on n'est pas encore à la maturité d'Angular. Mais les deux communautés que tu as citées sont quand même assez... Ça bouge quand même pas mal. On a JB, le 4e ninja qui peut l'asseoir, là, qui suit un petit peu ce qui se passe sur NG Bootstrap. Et ouais, c'est assez actif, quoi. Contribue. Quoi, il contribue, et voilà. Et puis, ouais, selon lui, c'est quand même très actif. Pour les clients avec qui on bosse, ils n'ont pas de problème avec ça. C'est-à-dire que les besoins courants sont couverts. Tu as des composants grid, tu as des data pickers, etc. Si tu as la base widget, un widget d'une librairie hyper pointue, dans un domaine métier hyper pointu, il y a des chances qu'il ne soit pas adapté en Angular. Deux questions et après on ira manger. Okay. La première, est-ce que chez Google, Angular, on appelle Angular maintenant, ouais, elle va vraiment être utilisée pour de vrai en production au quotidien pour leurs outils à eux, qui assureraient une meilleure pérennité potentiellement en revenant à ce que je disais carré. Yes. Parce que le 1 qui est moyennement, voire pas vraiment utilisé, c'était des gars qui le faisaient chez Google, mais. Alors, voilà. Là où un React a derrière Facebook qui l'utilise pour de vrai et on se dit, bon, on ne va peut-être pas tout casser demain. C'est une très bonne question. Et deuxième question, vas-y, bon. Qu'est-ce qui en est de l'outillage de test de composants? Ok, cool. Deux très bonnes questions. La première, alors Angular chez Google. Angular 1, ils ont 10 000 applications en interne, entre 9 et 10 000. Donc autant dire que c'est beaucoup utile.
Google a en plus un principe de fonctionnement un peu particulier. En fait, la semaine dernière, j'étais à Paris. Par hasard, il y avait le fondateur d'Angular qui était là. J'ai discuté avec lui à un meet-up. Justement, on discutait pas mal de ça. Et Google a en interne un fonctionnement un peu particulier, c'est qu'ils ont un repository avec tous leurs projets dessus. Donc, vous souvenez, il en avait parlé, Pascal. Tu as un répertoire avec tout le code source dedans. Genre, tu as les voitures intelligentes, tu as Gmail, tu as Google Maps, tu as Angular, c'est tout au même endroit. Et ce qui est dingue, c'est que tous leurs projets qui utilisent des dépendances vers des produits Google, ils ne tirent pas une dépendance par un outil de dépendance, ils pointent directement sur le repository du projet en question. Donc tous les projets qui utilisent Angular, ils tournent sur la version master d'Angular. Donc ils ont 10 000 projets, à chaque fois qu'ils font un nouveau commit sur Angular 1, tu as 10 000 projets chez Google qui se rebuildent automatiquement pour voir si ça compile. Quoi. Donc, autant chez React, chez Facebook, tu as React qui est utilisé sur deux projets, autant chez Google, en fait, Angular 1, à chaque fois qu'il pète un truc, je peux te dire que la CI, elle passe au rouge en entier. Quoi. Mais c'est marrant, c'est la perception publique n'est pas la même en fait. Ouais, ils communiquent pas. Ils communiquaient pas du tout dessus. Et il y a peu, en fait, il y a de ça 2 ans, ils avaient genre 5000 applications en Angular 1. L'année dernière, ils en ont encore fait plein. Et là, t'en as pas mal qui commencent en Angular 2. Tous les nouveaux démarrent en Angular 2. Ils sont en train de migrer des unes vers le 2. Dans les sites publics, je crois pas qu'il y en ait 50, mais genre Google Cloud, de ce qu'ils me disaient, là, ils ont toute une console qui te permet de configurer ton cloud Google. C'était en Angular 1 et maintenant c'est partiellement en Angular 2 parce qu'ils sont en train de migrer petit à petit. Et là, ils ont 100 d'applications à priori en Angular 2 en interne qui sont en train de démarrer. Quoi. Avec des projets qui vont de quelques développeurs à AdWords qui le fait en Dart. Donc, et où AdWords, ils sont 50. On en parlait au début. Ils sont 50 devs. C'est de l'Angular 2, quoi. Tant bien que c'est. Puis AdWords, bon. Ça, c'est bien. 50 milliards de dollars par an, quoi. Donc, ça, c'était ta première question. J'espère avoir répondu. Et la deuxième, du coup, c'était le test. Les tests, c'est une très bonne question. Je suis hyper fan de ce qu'ils font dans Angular 2. Dans Angular 1, tu avais déjà un effort qui était fait sur la testabilité des applications. J'essaie de me lancer dans une réponse pas trop longue pour qu'on puisse aller. En fait, dans Angular tout court, tu as le principe d'injection de dépendance qui fait que tu peux tester vraiment ce que tu veux dans ton application et tester en isolation. C'est-à-dire que du coup, tu dis je teste mon composant en lui donnant que des fausses données et au moins comme ça, tu es sûr qu'il dépend de rien d'autre. Donc ça c'est un premier point, ça existait déjà dans Angular 1. Et dans Angular 2, surtout ce qu'ils ont rajouté, c'est que tu peux tester facilement le rendu d'un composant. C'est-à-dire que tu peux dans ton test unitaire dire je crée mon pony component, je le rends graphiquement, et ensuite tu peux faire des assertions sur ce qui a été rendu, mettre à jour l'état de ton composant et vérifier que ça a bien changé ce que tu voulais dans le template. Donc en fait, tu as une vraie maîtrise sur ce qui est affiché. Alors qu'en Angular 1, c'était un petit peu plus compliqué de tester ce genre de choses. Ça c'est fourni de base. C'est fourni de base. Tu fais des tests JavaScript normaux et tu as une classe utilitaire fournie par Angular pour faire la partie spécifique Angular. Juste pour compléter, ouais. Quand tu dis rendu, c'est rendu HTML ou c'est rendu graphique avec éventuellement comparaison en fonction du navigateur C'est un rendu, en fait, tu peux tester le HTML qui est généré, mais tu fais tourner ton test dans un navigateur. Par défaut, généralement, on fait tourner que dans Chrome, mais en fait, rien ne t'empêche de les faire tourner dans tous les navigateurs que tu supportes, si tu as la CI qui va bien pour faire tourner tout ça derrière. Et du coup, tu verrais si tu as des comportements différents dans les différents navigateurs. Merci de votre attention. Merci.